Salut la compagnie, ici Marco et aujourd'hui on est là pour parler du dernier Nintendo Direct qui a eu lieu il y a encore quelques jours. Je sais pas pour vous, mais moi depuis la sortie de Mario Odyssey, j'ai un petit peu l'impression que l'horizon de la Switch s'est assombri. On a des promesses de nouveaux jeux par Nintendo ainsi que quelques suppositions, mais c'est vrai que pour ma part j'étais un petit peu inquiet de ce qu'allait sortir sur cette console en 2018. Et j'espérais grandement que ce Nintendo Direct allait me rassurer. Et maintenant on va faire une petite analyse de ce Nintendo Direct pour voir si mes craintes ont été apaisées. On va commencer par parler un petit peu des annonces qu'il y a eu pour la Nintendo 3DS, et ça va être très rapide. On a tout d'abord WarioWare Gold, qui est un petit peu dans la lignée de tous les mini-jeux qu'ils ont fait avec WarioWare sur les consoles portables. Ensuite, on a eu Dylan's Deadhead Breakers, et désolé si je le prononce mal, qui est un jeu d'action Tower Defense dans la lignée du premier opus, ainsi que des infos sur le jeu détective Pikachu. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me fait toujours un petit peu bizarre de voir que Pikachu, il est passé de ça à ça. Franchement, un personnage aussi kawaii, qui a eu une voix qui nous a marqué pendant des années, le voir parler correctement, ça me choque outrageusement. Après, ça veut pas dire que ce sera un mauvais jeu, hein, mais c'est juste que je voulais vous faire la remarque parce que moi ça me choque toujours quand je vois ça. Et puis après, on a eu également deux portages annoncés. Le premier, c'est le Mario et Luigi au centre de la Terre, et le second, c'est l'excellent Luigi Mansion. Alors, c'est deux bons jeux, hein, il n'y a rien à dire là-dessus, vraiment, c'est deux jeux qui sont excellentissimes. Par contre, comme d'habitude, et je vais toujours rager là-dessus, mais c'est encore une fois des portages. J'ai pas l'impression, en fait, qu'on ait vraiment une évolution dans le jeu. On se retape encore la même chose des années après, qu'on va nous vendre sans doute plein pot. Et ça, je trouve ça vraiment très triste, parce qu'il y a moyen, avec ces licences-là, de faire des nouveaux jeux innovants, avec une nouvelle histoire, un gameplay un peu plus approfondi, des graphismes un peu meilleurs. Et c'est vrai que faire des portages, je trouve que c'est tout le temps la solution de facilité. Alors, c'est une bonne chose, hein, parce que ça permet à une génération qui l'a loupé, ou tout simplement à des gens qui ont apprécié l'œuvre originale de pouvoir y rejouer, d'y retourner. Mais seulement, moi, ça m'embête un petit peu. J'ai vraiment l'impression, en fait, qu'il manque quelque chose, qu'il manque une certaine créativité, qu'à chaque fois qu'il y a un portage, eh ben, c'est un manque d'idées, un manque de moyens, ou un manque d'ambition, peut-être. Mais c'est vrai que moi, là-dessus, ça me dérange un petit peu. Après, ça reste une très bonne chose, que la ludothèque de la 3DS s'agrandisse, bon, elle est déjà énormissime, mais ces deux jeux-là, ils méritent d'être faits, donc c'est pas forcément une mauvaise chose de les voir débarquer maintenant sur 3DS. Et c'est à peu près tout ce qu'on aura comme information sur la 3DS. 5 minutes pour 35 minutes de live. Donc, est-ce que la 3DS est en fin de parcours? Je pense que oui. Après, ça surprendra personne, ça fait quand même, je crois que c'est 7 ou 8 ans qu'elle est sortie, donc maintenant qu'elle commence à passer le pouvoir, c'est pas vraiment une surprise. Hein. On sait bien que les consoles de jeu ont une espérance de vie relativement limitée. Déjà qu'elle ait pu survivre aussi longtemps, c'est presque un exploit. Bon, c'est un petit peu dû à Nintendo qui fait durer ça avec toutes les versions de la 3DS, avec la 3DS, la New 3DS, la 3DS XL, la 3DS, New 3DS XXL, la 2DS, enfin voilà, vous connaissez le chapitre, hein, vous êtes informé là-dessus. Donc c'est vrai qu'ils ont un peu prolongé artificiellement sa durée de vie. Mais c'est pas une mauvaise chose, c'est une excellente console. Mais là, on voit bien que la place maintenant, c'est la suite. Et la suite, c'est tout simplement la Switch qui, pour moi, reste la descendante de la Nintendo 3DS. Alors, on aura beau me dire que c'est pas la même chose, que c'est une console à mi-chemin entre le portable et le salon, je suis d'accord avec vous. Seulement le truc, c'est que Nintendo, ils se sont fait chier à essayer de tenir à la fois une console portable et une console de salon, avec la Wii U. Et ils ont eu toutes les peines du monde à le faire. On l'a vu, au début, la 3DS, quand elle est sortie, elle a eu du mal à convaincre. Et ils ont eu la Wii U qui est arrivée dans la foulée. Et quand ils ont dû choisir entre les deux supports, ils ont décidé de favoriser à mort la 3DS. C'est d'ailleurs aussi ça qui a joué, hein. Il y a beaucoup de gens qui critiquent un petit peu l'aspect marketing de la Nintendo Wii U, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi le fait que, bah, des bons jeux, on n'en a quasiment pas eu la première année de la console. On a dû attendre un sacré paquet de temps. Et au final, on n'a eu aucun Zelda exclusif. C'est toujours pareil. Et on a eu un Mario Kart 8 qui était vraiment très sympa, mais qu'on sentait un petit peu bâclé. Il n'y a pas eu de mode battle, hein. Je pense que si vous vous intéressez un petit peu au jeu, vous êtes tous au courant de ça et de la grogne qu'il y a eu de la part des joueurs. Mais c'est vrai que le Mario Kart 8, il était vraiment très chouette, mais il y avait quand même des choses marquantes qui manquaient. Mais c'est pas grave parce que maintenant, place à l'avenir. Et l'avenir, que ce soit sur portable ou sur salon, à mon avis, c'est la Switch. Alors avant de parler des grosses annonces qui vont être marquantes, je vais commencer par les portages et les multiplateformes. Tout d'abord, on a eu d'annoncer Okami HD, Dark Souls, Undertale, le dernier South Park, Little Nightmare et Crash Bandicoot. Alors j'ai beau dire que je suis pas fan des portages, je tiens quand même à donner une mention spéciale à Crash Bandicoot Insane Trilogy. J'ai parlé dans une vidéo précédente que j'étais sûr, convaincu,
que le jeu allait sortir très rapidement sur Xbox et Switch. Visiblement, c'est le cas. Je crois que la fin d'exclusivité d'un an, elle va finir fin juin, si je dis pas de bêtises. Donc le voir débarquer le 10 juillet sur Switch, et à mon avis, pas longtemps après ou en même temps sur Xbox, c'est pas vraiment une surprise. Et c'est une bonne chose parce que Crash Bandicoot, c'est vraiment un excellent jeu. Là, on peut pas vraiment parler de portage. C'est un vrai nouveau jeu, si je puis dire. Même si on récupère la même histoire, les petits gars de Vicarious Vision, ils ont fait un travail colossal. Parce qu'ils sont pas contentés tout simplement de reprendre le jeu, de le coder afin qu'il marche sur la nouvelle console, et de faire un petit lissage des polygones. Non, non, non. Ils ont repris entièrement le jeu. Ils l'ont refait à neuf. Et là-dessus, je dois dire chapeau. Parce que on a beaucoup de jeux qui sont des, ce que j'appelle des portages faciles, où tu te contentes de reprendre le jeu, tu améliores un petit peu la résolution, tu fais peut-être un nouveau meilleur doublage, ou un doublage alors qu'il n'y en avait pas à la base, et c'est tout. Là, je trouve que c'est un vrai travail. On a à la fois un jeu qui respecte un petit peu les codes des jeux de plateforme 3D de l'époque, hein, qui sont un petit peu rugueux maintenant, faut l'avouer. Hein. Je sais pas si vous avez joué à NSM Trilogy, mais il est un peu difficile à prendre en main quand on a l'habitude des derniers jeux plateforme 3D, mais au moins, il respecte son aîné. Et à côté de ça, on a vraiment quelque chose de très beau, de très joli, de très sympa. On a la nostalgie sans avoir un petit peu ce goût amer de bâclage. Et je trouve ça vraiment très bien. Bon, après, c'est vrai que dans l'idée, moi, ayant connu la PlayStation, ayant connu les trois Crash Bandicoot dont il est issu, j'aurais préféré un Crash Bandicoot 4. Mais c'est peut-être un bon moyen, en fait, de remettre le pied à l'étrier et de voir la réaction des joueurs. Et sur PS4, elle a été très bonne. Donc, même si ça me fait bizarre, parce que, pour moi, Crash Bandicoot, il est un petit peu à Sony, ce que Mario est à Nintendo ou que Sonic est à Sega. Mais c'est vrai que c'est quand même agréable de voir un jeu sortir comme ça sur plein de plateformes, parce que plus il y a de gens pour profiter de ce genre de bijoux, et mieux c'est. On a eu l'information également comme quoi Captain Toads et Hyrule Warrior seraient portés sur la Switch. Alors, on reprend encore les mêmes et on recommence, hein. On se tape le même jeu, on en fait un portage, et hop là, on peut augmenter la ludothèque de la Switch en un clin d'œil sans vraiment se forcer. Je trouve ça toujours un peu dommage. Bon, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est vrai que à la sortie d'une console, et je dis pas ça que pour la Nintendo, hein, c'était également le cas pour la PlayStation et pour la Xbox, bien entendu, mais on a le droit à ce genre de choses pour gonfler la ludothèque. Ce que je trouve juste dommage, c'est que j'ai l'impression qu'ils font ça avec des très vieux jeux. Parce qu'autant, tu portes un jeu qui est sorti il y a 3, 4, 6 mois sur l'ancienne génération et tu le mets sur la nouvelle, je peux comprendre. Le jeu, il vient de sortir, on a encore beaucoup de choses à voir dessus, tout le monde ne l'a pas acheté et certains économisent pour acheter la nouvelle console. Donc, pourquoi pas? Mais c'est vrai que quand je vois des jeux qui ont 3, 4, 5 ans sortir en portage sur la Wii U, enfin, sur la Wii U, sur la Switch, je trouve que là, c'est un petit peu too much. En tout cas, la première nouvelle qui m'a remonté le moral, c'est l'annonce de la sortie le 13 juillet prochain d'Octopath Traveler. Alors, si vous connaissez pas le jeu et que vous avez la Switch, je vous invite très fortement à télécharger la démo gratuite qui est disponible sur le Nintendo Shop. Parce que ce jeu, c'est vraiment de la bombe atomique. C'est un RPG qui me rappelle furieusement l'époque de Final Fantasy VI, avec un gameplay qui est un peu plus à la sauce moderne. Mais ça reste du tour par tour quand même. Et c'est vraiment un jeu formidable. En plus, il est fait par Square Enix. Et qui de mieux que Square Enix pour faire un jeu de rôle tour par tour quand tu vois l'énorme expérience qu'ils ont eue. On en aura appris un peu plus sur les différents personnages qu'on pourra jouer. Mais ce qui m'a vraiment bluffé personnellement, c'est cette histoire de double classe. Parce que si vous le savez pas, on pourra jouer 8 personnages. Enfin, peut-être qu'il y en aura d'autres. Mais en tout cas, c'est les 8 principaux qui auront chacun une histoire spécifique. Mais ces 8 personnages-là auront la possibilité de faire une sorte de combinaison de classes. Par exemple, si vous avez un guerrier et une danseuse, vous pouvez avoir un guerrier danseur. Et ça va amener sans doute des spécificités au niveau du gameplay, permettre un petit peu d'enrichir et de spécifier certaines choses. On aura vraiment un gameplay qui, à mon avis, sera vraiment très approfondi. Et ça, ça me fait vraiment très plaisir. C'est vraiment un jeu que je conseille à tout le monde de tester si vous avez la Switch, franchement. Allez-y, si vous aimez bien les RPG, ce jeu-là, vraiment, ça a l'air d'être de la bombe atomique. Et si jamais il marche, on en aura sans doute d'autres dans ce style-là. Parce que c'est vrai que, personnellement, les Final Fantasy XV et compagnie, c'est plus vraiment le RPG que j'aimais. C'est du RPG action, hein, donc je peux comprendre que ça plaise. Mais moi, je suis vraiment fan des RPG un petit peu posés. Le tour par tour, c'était vraiment très sympa. Et ça me manquait énormément. Donc je suis très content de voir Square lancer un jeu comme Octopath Traveler. Et j'espère que c'est le premier d'une très longue série. Une autre annonce qui m'a fait très plaisir, c'est celle de l'arrivée future d'un DLC pour Splatoon 2. Et un DLC qui sera orienté uniquement sur le mode solo. Et ça, ça me fait vraiment plaisir parce que on est dans un monde actuellement où la plupart des jeux, ils abandonnent complètement le mode solo. Ils partent du principe qu'en fait, au lieu de se faire chier à écrire une histoire, ils se contentent de faire un jeu plus ou moins compétitif, de lancer un mode online, des arènes,
Et puis voilà, ils se disent qu'avec ça, en fait, la durée de vie, elle est illimitée, puisqu'on joue entre autres joueurs, et qu'ils n'ont pas besoin de se faire chier à faire un mode histoire. Et je suis content de voir que, bon, déjà dans Splatoon, il y avait déjà un mode histoire qui était plutôt sympa, et que derrière, ils nous font un DLC avec un mode histoire qui a l'air relativement recherché. On va avoir, si je dis pas de bêtises, 80 niveaux, ce qui est quand même énormissime, et j'espère que ces 80 niveaux seront vraiment très intéressants, qui permettront une durée de vie relativement longue. Et il le faut, parce que le DLC, il coûte quand même 20€, si je dis pas de bêtises. 20€, c'est quasiment la moitié du prix du jeu. C'est-à-dire que si vous voulez acheter le jeu, c'est 50€, si je dis pas de bêtises, environ, ça dépend de là où vous l'achetez, et c'est 20€ derrière pour balancer le DLC. Donc c'est vrai que c'est relativement cher, je trouve. Après, j'ai toujours eu une relation particulière avec les DLC, mais c'est vrai que là, un DLC comme ça, j'avoue, ça vaut peut-être le coup de regarder ça avec attention. Surtout que Nintendo, ils ont l'habitude de souffler le chaud et le froid, hein. D'un côté, ils te font des DLC dégueulasses au prix fort sur certains jeux, comme par exemple Mario Smash Bros. Je trouve que c'est une vraie arnaque, les nouveaux personnages et le prix qu'ils coûtent. Par contre, à côté de ça, ils nous ont fourni sur la Wii U un DLC Mario Kart avec, je crois que c'était 12€ pour 16 circuits supplémentaires. 16 circuits supplémentaires pour 12€ avec donc 50% de circuits supplémentaires par rapport au jeu de base. C'était énormissime. Et c'est des DLC comme ça que je veux voir en permanence. Et là, je me dis que peut-être celui-là, il peut faire partie de la bande des DLC qui valent la peine. Mais l'annonce qui m'a fait le plus plaisir, et là je pense que je vais en voir rager plus d'un, c'est celle du nouveau Mario Tennis. Parce que c'est une licence que j'ai beaucoup appréciée à l'époque. Sur 64, vraiment, j'ai pris un pied fou avec ce jeu en multilocal avec des potes. Et c'est vrai que, au fur et à mesure des différentes itérations du jeu, j'ai trouvé que ça partait un petit peu en cacahuète. Avec la mention spéciale pour le dernier, là, les transformations en géant et tout, c'était un petit peu n'importe quoi. Là, j'ai l'impression qu'on revient un peu plus aux fondamentaux, au plaisir de jouer à un jeu un petit peu arcade, avec un côté what the fuck, hein, avec le coup des coups spéciaux, la raquette qui se pète et tout. D'ailleurs, à ce sujet-là, la raquette qui se pète, je sais pas trop quoi en penser, honnêtement. On verra, en fait, si le timing est vraiment compliqué à atteindre ou si c'est relativement simple de taper au bon timing, mais ça me fait un peu bizarre. L'autre truc aussi qui me semble un peu chelou, c'est cette histoire en fait de la jauge là qu'on fait monter. J'ai l'impression en fait que elle monte tellement vite en fait quand on fait un coup, quand la balle est vachement éloignée, que je me dis que c'est peut-être presque intéressant de volontairement s'éloigner pour faire ce genre de coup. Après, faut voir avec le gameplay si ce sera difficile à faire, mais j'ai vu dans les vidéos là que des fois il y avait des personnages qui faisaient trois fois cette sorte de saut de bond pour atteindre une balle difficile. Et je me dis que s'ils arrivent à le faire 3 fois de suite, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas à le faire 15 fois. Donc ça va être un petit peu étrange. De toute façon, c'est à tester en partie. Mais en tout cas, c'est le premier Mario Tennis depuis des années qui me hype. Parce que je trouve que on est revenu un petit peu aux fondamentaux. On a droit à un jeu qui est quand même orienté arcade, évidemment, hein. Mais par contre, qui est pas complètement what the fuck, hein. Il n'y a pas des trucs un petit peu chelous comme il y avait avant. Bon, c'est vrai qu'il y a cette jauge spéciale, mais elle fait partie en fait du sel du jeu. Et je pense que on a peut-être les atouts là pour avoir le meilleur Mario Tennis jamais créé. Et je suis très content que ça sorte sur Switch parce que c'est vrai que comme je l'ai dit, pour 2018, il n'y a quand même pas grand-chose qui me hype. Et avoir ce jeu de tennis là, je pense que ça pourrait faire partie des grands jeux de cette année. Et puis je suis content de voir qu'il y a l'air d'avoir un mode histoire. Parce que c'est vrai que comme je l'ai dit juste avant, le mode histoire, ils l'ont beaucoup abandonné pour faire la place aux jeux e-sport, à la participation online, etc. Donc ça fait vraiment plaisir de voir que là, ils se donnent la peine de faire un mode scénario ou un mode histoire, je sais pas trop ce que ce sera, avec des situations relativement atypiques. On l'a vu dans la vidéo avec le filet qui est remplacé par des plantes piranhas et tout. Ça peut être sympa, franchement, ça peut être sympa, c'est vraiment un jeu que je vais suivre avec une très grande attention. Et puis l'annonce qui aura sans doute fait le plus parler, c'est sans doute celle des derniers moments, avec le petit générique, on va dire le teasing, du nouveau Smash Bros. Melee. Alors là, toutes les questions se posent pour moi. On a beaucoup de gens qui disent qu'il s'agit là d'un portage et d'autres qui disent que c'est un jeu inédit. J'avoue, je sais pas trop où me situer. C'est vrai que le peu qu'on voit là, on a vu Inkling et on a vu également Link. Et on se dit que avec deux nouveaux personnages qui sont pas présents dans la version Wii U, il y a des chances que ce soit un nouveau jeu. Alors après, je dis attention les amis, parce que je vous rappelle qu'il y a des personnages qui ont été rajoutés dans les DLC. Donc il n'y a pas de raison qu'on puisse pas sortir un nouveau Smash Bros. Qui est la version Wii U portée, avec dans ses cartons deux nouveaux personnages. C'est pas incompatible, seulement j'espère juste que ce sera pas le cas. En plus de ça, le fait que le jeu soit annoncé pour 2018, ça veut dire que soit ils travaillent pour un nouveau Smash Bros. Melee depuis des années, soit c'est juste un bête portage de la version Wii U. Et j'espère grandement que c'est un nouveau jeu.
Surtout que visiblement, il va sortir, à mon avis, dans les rayons du dernier trimestre de 2018, si je dis pas de bêtises, et que du coup, il collera avec le fait qu'on aura le online payant. Et quoi de mieux pour donner envie de payer le online qu'un bon jeu online? Et c'est là, je pense, que Smash Bros. Fait son office, parce que c'est sans doute un des jeux qui pourrait permettre le gros matraquage pour que les gens payent le mode online. Après, on verra bien. J'espère quand même sincèrement que c'est un nouveau jeu. Et c'est vrai que quand on regarde le trailer, si je dis pas de bêtises, il y a écrit en bas « Original Game », si je dis pas de bêtises. Donc, il est possible que ce soit un nouveau jeu, et je le souhaite grandement. Que ce soit pour les fans de Smash Bros, parce que c'est pas spécialement mon cas, moi j'aime bien y jouer de temps en temps, mais j'avoue, je suis pas un gros hardcore de ce jeu. Ou alors tout simplement pour Nintendo eux-mêmes, parce que ça montrerait qu'ils font des nouveaux jeux innovants et qu'ils se contentent pas uniquement de portage. Surtout que s'il sortira en 2018, ça mettrait le nouveau Mario Tennis, le jeu qui est fait par Square Enix, la Octopath Traveler, qui est vraiment excellent, et le Smash Bros. Melee, ce qui permettrait d'avoir trois jeux vraiment énormissimes, sans compter les autres jeux qui sont à côté, le multiportage qui arrive, etc. Donc c'est plutôt bon signe, mais tout ça pour la Nintendo Switch cette année, et ben ça serait une très bonne chose pour la Switch. En résumé, je suis plutôt mitigé sur ce Direct Live. Il y a eu d'un côté où je vois que la 3DS est en train de passer au second plan et où ils mettent en avant grandement la Switch, et ça fait vraiment plaisir. Je suis aussi très content pour eux qu'il y ait des multiplateformes qui sortent, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui manque dans la plupart du temps depuis 2-3 générations Nintendo, et même si c'est vrai que le sel de la vente des jeux, le sel de la vente des consoles Nintendo, c'est les jeux Nintendo, et ben c'est quand même bien d'avoir du multiplateforme, parce que quand t'as envie de profiter par exemple d'un Crash Bandicoot ou d'un jeu comme ça, et ben t'es content de pouvoir, quand tu décides d'acheter une console, te dire que si tu achètes la Nintendo Switch, et ben tu vas pouvoir profiter également de ces jeux-là. Donc c'est une très bonne nouvelle. En plus de ça, le DLC sur Splatoon m'a l'air très prometteur, et puis le Mario Tennis a l'air vraiment excellent. À voir évidemment manette en main, mais en tout cas là pour l'instant, ces deux jeux-là, enfin ce jeu et ce DLC, me hype grandement. Par contre à côté de ça, c'est vrai que j'attendais d'autres annonces. Par exemple, je sais pas si je suis le seul, hein, mais j'ai été très déçu que sur la Wii U, on n'ait pas de Mario Striker. C'était vraiment un jeu multi que j'ai adoré, et ça m'a manqué énormément de ne pas voir débarquer. Et pour ce qui est du portage, même si vous voyez, hein, je fais souvent la gueule quand on parle de portage, mais je vous avouerai que un petit portage de Mario Maker, enfin de Super Mario Maker, eh ben ça me ferait grandement plaisir. Je trouve que c'est sans doute un des jeux qui est sur Wii U, qui manque le plus à la Switch. Et donc ça me ferait vraiment plaisir de le voir débarquer. Et puis pareil, on n'a pas eu d'infos sur le Metroid alors que beaucoup de gens l'espéraient. Sans compter également d'autres licences qui sont aux abonnés absents depuis des années et où on espère toujours les revoir, comme par exemple F-Zero. Mais bon, ça, ce sera pour un autre débat. En tout cas, c'est ce que je dis, c'est que ce Nintendo Direct, pour moi, il a un peu soufflé le chaud et le froid. D'un côté, j'ai eu des annonces dont je m'attendais absolument pas, comme celle du Mario Tennis. De l'autre, bah, j'avais des annonces qui étaient tellement prévisibles, comme par exemple le Smash Bros. Honnêtement, bon, à part certains, je pense que tout le monde s'attendait à ce qu'il y ait un Smash Bros. Qui sorte prochainement. Donc c'est vrai que les dernières images là, bon, les gens étaient surexcités et ont réagi parce qu'ils étaient très contents de le voir. Mais je pense qu'il n'y a pas une personne qui était vraiment surpris. Donc pour résumer, pour moi, ce Nintendo Direct, je m'attendais à quelque chose d'énormissime. Et on a eu juste un Direct relativement sympa, avec des annonces chouettes. Mais où il manque quand même, pour moi, 2-3 choses essentielles. C'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je sais que je suis pas forcément tendre avec Nintendo, mais c'est vrai que c'est un développeur que j'aime tellement que je place la barre extrêmement haut et que contrairement à certains, je l'ai pas diminué ces dernières années, donc je m'attends vraiment à quelque chose d'exceptionnel avec eux à chaque fois. Quitte à être un petit peu déçu, parce que c'est pas grave, je préfère avoir des attentes très hautes et être un petit peu déçu que les imaginer en dessous de leur niveau. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si c'est pas le cas, abonnez-vous déjà pour voir de nouvelles vidéos. Et puis si vous trouvez que mon avis est digne d'intérêt, n'hésitez pas à la partager. Commentez également si vous avez des choses à dire, que ce soit sur ma vidéo et mes réactions, ou tout simplement sur ce direct pour que je sache votre opinion là-dessus. Moi, je vais vous laisser ici. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss !